Chers conquérants de la remise en forme, bonjour. Donc c'est Carole et aujourd'hui j'avais une interview pour vous que vous attendiez avec impatience. Donc je suis avec David Laroche. David, bonjour. Bonjour à toi. Merci de me recevoir. Avec plaisir. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous parler de confiance en soi, de persévérance et puis de créer à partir des difficultés de notre vie. Alors David, donc tu inspires des millions de personnes aujourd'hui dans le monde par tes vidéos, par tes séminaires et parce que tu réalises aussi tes rêves aujourd'hui. Je voudrais commencer par te demander comment tu es passé de ancien timide à aujourd'hui tellement confiant, à animer des séminaires où il y a des centaines et des centaines de personnes. Alors c'est une question qui est large. La première chose que je voudrais dire du coup pour les personnes qui nous écoutent, pour ton audience, d'ailleurs tu m'as beaucoup parlé de ton audience, je sens que tu l'aimes cette audience. Je l'aime. C'est que c'est un processus, ça s'est fait progressivement et ça s'est fait par palier en fait. C'est un peu comme qui veut gagner des millions, tu passes un palier et une fois que ton palier il est acquis, bah, tu as un nouvel espace de possibilités. Donc il y a eu plusieurs choses qui m'ont aidé. Tu me donnes combien de temps pour répondre à cette question? Parce que c'est une question qui est large. Peut-être quelles sont les clés, les étapes vraiment qui t'ont marqué dans ton cheminement? La première chose, c'était de me rendre compte que si je fais rien, il n'y a rien qui va changer. C'est une phrase d'Einstein qui je trouve inspirante, c'est que c'est de la folie d'espérer des nouveaux résultats si tu fais rien de nouveau dans ta vie. Tout à fait. Et donc, finalement, il y a une question que j'aimerais poser, c'est des personnes qui sont timides, c'est comment tu sais que tu es timide? Souvent, on va soi-même se dire, oui, je suis timide parce qu'on l'a entendu, nos parents nous l'ont dit, des amis nous l'ont dit. Et ça devient un peu l'excuse, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire telle chose, les gens vont dire, ouais, mais c'est pas de sa faute, il est timide. Et c'est un peu une étiquette qu'on va se répéter. La première chose, c'est de remettre en question ce truc-là. Quand j'ai des personnes qui viennent me voir, elles me disent des fois, David, je suis vraiment un gros timide. Puis t'as fait un concours. Et comment tu sais? Comment on sait qu'on est timide? On ne sait pas en fait. C'est à un moment donné de sa vie, on décide de se mettre cette étiquette-là. Et c'est pas une étiquette qui se dit bien. C'est comme si tous les matins, je prenais une Nivea de caca là, et que je me l'étalais. À quoi ça sert? À rien. La première étape, c'était d'ouvrir la case dans ma tête que ça soit possible, que je sois plus confiant. Et j'insiste sur le plus, sur le davantage, et non pas sur confiant, parce que du coup, ça crée une illusion de un jour, je serai confiant, et là, je ne le suis pas. Parce qu'en fait, non, il n'y a pas de garde d'arrivée, je peux faire passer toute ma vie à progresser sur ma confiance, et toute ma vie, j'aurai des formes de timidité. Je connais aucune personne que j'ai interviewée, rencontrée, accompagnée, avec que ce soit milliardaire, millionnaire, entrepreneur, artiste, comédien. On a tous une forme de timidité dans des moments de notre vie, et là, on est un peu moins à l'aise. Ça peut être en famille, des fois on est hyper confiant et on retourne chez ses parents et là on retrouve le petit garçon ou la petite fille. Donc la bonne question pour moi c'était de me dire peut-être que je peux être plus confiant. La deuxième étape c'était de me dire ok, finalement j'ai peur de faire tout un tas de choses. J'avais peur de parler aux gens, j'avais peur de m'exprimer, j'avais peur d'oser, j'avais peur de raconter une blague par exemple, j'avais peur de parler à une fille, j'avais peur de lever la main en cours, j'avais peur de parler à mon père. Donc Sous j'étais. prétexte de cette étiquette de timidité, en fait, hein. Parce que c'était inconfortable surtout. C'était inconfortable, donc vu que c'était inconfortable, il y avait une forme de mal-être, et donc vu qu'il y avait une forme de mal-être, c'était plus confortable de ne pas bouger que d'y aller. C'était plus confortable de me plaindre que ma vie elle me plaisait pas que finalement de la changer. Jusqu'à donc que j'ai suffisamment de douleur à ne pas changer pour me dire je vais changer les choses. Il y a des fois des journalistes qui me disent mais comment ça se fait que vous avez trouvé l'énergie et la force de faire ce que vous avez fait? Et j'aime bien répondre cette réponse qui est pas très sexy. Et ben, ce qui m'a donné la force de changer, c'est la souffrance, c'est la douleur. Et quand j'ai des gens qui me disent ouais, mais moi, j'arrive pas à changer, j'aime bien leur dire des fois pour les taquiner, bah, t'as pas assez souffert. Parce que quand t'as assez souffert, tu bouges. Quand t'en as marre de ton poids, quand t'en as marre d'être malade, quand t'en as marre de pas t'aimer, quand t'en as vraiment marre de rester dans cette situation, tu changes. Oui, tout à fait. Ça veut pas dire que tu sais comment changer, ça veut pas dire que tu sais si tu vas y arriver, ça veut même pas dire que tu sais quand tu vas changer, mais au moins tu te dis, je vais tester de nouvelles choses. Donc ça, c'était la deuxième étape. Je me suis dit, finalement, si tout ce qui est inconfortable, à petits pas, je m'entraîne à y aller, à l'expérimenter, peut-être que ce qui est inconfortable aujourd'hui pourrait devenir confortable. Et on l'a tous validé. Il y a tout un tas de choses qui sont confortables pour nous aujourd'hui, qui étaient inconfortables hier. Et là, je suis sûr que les gens qui nous écoutent, au travail, dans le sport, au milieu artistique, il y a des choses que vous savez faire, que peut-être il y a 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, vous ne savez pas du tout faire. Tout à Même fait. des fois pire que ça, des fois même la croyance que c'était impossible. On a tous réalisé des choses qu'on pensait impossibles. Tout à fait. Et ben, quand tu réalises ça, tu te dis, mais finalement, aujourd'hui, j'arrive à faire des choses que je n'arrivais pas avant. Donc, pourquoi demain, j'arriverai pas à faire des choses que j'arrive pas aujourd'hui?
Et donc, si je me mets à expérimenter, d'aller parler aux gens, de lever la main, de m'exprimer un peu plus, De ça veut pas demander dire plus que de je frites au restaurant. demander plus de haricots au restaurant, par exemple. Et ben, ça va peut-être devenir de plus en plus confortable, je vais peut-être devenir à l'aise avec ce truc-là, et finalement, ma zone de confort, elle va s'étendre, elle va s'élargir, et je vais me surprendre à être confortable là où beaucoup de gens ne le sont pas, en fait. C'est pas, ça veut pas dire que du coup, tout est devenu confortable, mais l'espace de confort, il est plus grand. Et c'est ça qu'on voit avec les personnes qui sont finalement complexées, c'est qu'elles vont être de plus en plus complexées. Ou les personnes qui sont mal dans leur peau, de plus en plus mal dans leur peau. Tout à Moi, fait. j'étais un champion du monde du complexe. C'est-à-dire que j'avais des nouveaux complexes qui arrivaient comme ça. Je pouvais complexer de mes genoux, de mes mollets, de mes yeux, et puis d'un coup mes oreilles, et puis mes dents. C'est bizarre. Pourtant, mon corps, il n'a pas fondamentalement changé par rapport à il y a 10 ans, mis à part que j'ai, on va dire, j'ai vieilli, entre guillemets, j'ai pris de l'âge. Mais en soi, j'ai plus ou moins le même corps et pourtant, je l'aime beaucoup plus. Comment ça se fait? Et bien, c'est que c'est juste nos perceptions qui transforment. Enfin, c'est comment je vois ma réalité qui transforme ma réalité. Donc, ça, c'était la deuxième étape, faire des choses nouvelles. La troisième, c'était de me dire, mais finalement, si tu peux apprendre le sport, la cuisine, l'art ou quoi que ce soit, pourquoi tu pourrais pas apprendre la confiance en soi? Pourquoi tu pourrais pas apprendre l'estime de soi? Pourquoi tu pourrais pas apprendre à t'aimer et à atteindre tes rêves et tes objectifs? Et je me suis dit, ben, il doit exister des formations en fait. Donc j'ai commencé à investir du temps, de l'énergie, des pensées et surtout de l'argent. Mes amis me disaient, mais tu es fou d'investir 1000 euros, 1800 euros, des livres, des audios. Mais encore une fois, quand les gens me disent, mais comment ça se fait que tu as investi l'argent qui n'était pas celle de tes parents? Je faisais des jobs d'été, je mettais des fois pour un peu remuer des gens qui me disent, j'ai pas l'argent pour faire des stages. Je leur dis, attends, j'ai mis mon dos dans de la merde pour pouvoir me payer les stages. Je faisais de la plomberie à côté de mon travail. Et donc, ces stages-là m'ont permis d'avoir des techniques. On apprend plus vite à faire une omelette si on a appris à faire une omelette. Parce que si je te donne 3 œufs, une photo d'omelette, et je te dis pas comment faire, tu peux passer des années si t'as jamais vu. Parce que tu n'auras pas forcément l'idée qu'il faut juste les remuer. C'est une étape, une seule étape, mais tu peux, si ça se trouve, quelqu'un qui a jamais vu comment faire, peut-être passer 2 ans À chercher à tout comment faire, chercher. tout à Et fait. peut-être essayer de garder que le jaune de l'omelette, enfin de l'œuf, en se disant ça doit être ça, vu que c'est jaune à la fin. Des fois, le comment, il suffit qu'on nous le donne. Et donc, je me suis rendu compte que je pouvais mieux gérer ma respiration, ma posture, ma façon de me parler, ma façon de manger, ma façon de communiquer avec les autres, comment je pouvais programmer mon cerveau. Et en allant vers ça, j'ai appliqué petit à petit tous ces outils. Donc, ça serait, on va dire, la troisième chose, me former. La quatrième chose, c'était de commencer à mettre de la valeur sur moi, en fait. Personne pourrait me trouver confiant ou m'aimer si moi, j'apprends pas à m'aimer. Alors justement, comment tu rends concret le fait d'apprendre à s'accepter et s'aimer? Yes. C'est un processus. Déjà, il faut poser l'intention. Les personnes, elles pensent. On est dans un monde qui est en train de plus en plus d'être dans la polarité, où il y a une grande partie du monde qui veut du instantané. Être riche en 28 secondes, être mince en 32 minutes. C'est ça. Tout ça, c'est une hérésie, en fait. C'est d'autant plus une hérésie que si tu demandes à 2000 personnes c'est quoi les 10 moments où tu as été le plus fier dans ta vie, les 2000 te répondront que c'est des moments où ça a été difficile. Ça C'est veut dire vrai. qu'on est fier de nous dès lors qu'il y a eu un effort. On peut pas être fier de ses muscles si en fait ça a été un miracle. Mais les gens veulent être fiers d'eux-mêmes, ils veulent apprendre à s'aimer sans effort. C'est Je crois juste un qu'il y a un moment fantasme. où tu partages d'ailleurs, si je claquais des doigts et puis que là vous perdiez 30 kilos d'un coup, comment vous vous sentiriez? Et au final, on n'est pas prêt pour ça parce qu'on n'a pas traversé les challenges qui vont avec. C'est ça hein, Exactement, l'idée. t'as pas créé les circuits neuronaux Tout à fait. qui font que de toute façon, si tu avais ce poids-là, eh ben, tu ressentirais un vide, il y aurait tout un tas d'inconfort que tu ressentirais parce que si tu as le poids que tu as, c'est pour des bonnes raisons, c'est pour répondre à des intentions qui sont constructives et positives pour ton système nerveux, et des grandes chances que ton système s'affole. Que ça soit de perdre du poids ou donner de l'argent ou mettre de la notoriété, tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi amplifie qui tu es. Donc pour répondre à ta question de comment t'aimer, déjà poser l'intention. La deuxième chose, c'est que comment tu te parles, ça détermine ta programmation mentale. J'ai des personnes de 35-40 ans, ils s'insultent à longueur de journée en coaching. Je leur dis, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, oui, mais c'est parce que mon père, il me parlait comme ça. Mais je dis, mais t'as 40 ans. Ton père, il est plus en train de te parler. C'est toi qui consciemment décides de te parler comme ça. Alors là, il y a un mot important, c'est consciemment. Ça veut dire que des fois, la plupart des personnes ne se rendent même pas compte de comment elles se Tout parlent. à fait. Donc, je pose l'intention. Deux, je vais m'observer. M'observer, c'est pas critiquer. Observer, c'est juste contempler. C'est neutre. Je regarde David.
Ah tiens, il est en train de s'insulter. Je suis pas en train de dire il faudrait que ce soit autrement. On n'est pas dans cette phase-là. Déjà, c'est juste observer toute l'énergie mentale que je consacre à me dénigrer. Physiquement, mentalement, intellectuellement, spirituellement. Et neurologiquement, on va se rendre compte qu'une phrase, entre guillemets, négative, elle a 7 fois plus d'impact neurologique qu'une phrase qui est constructive et positive. Ça veut dire que si je me répète, je suis une merde, ou je suis trop grosse, ou je suis nul, ou je suis pas à la hauteur, ou j'ai pas assez d'études, ou de toute façon je vaux rien. Entre guillemets, il va falloir 7 fois plus d'énergie et d'effort juste pour rééquilibrer ça. Et donc, la bonne question après, c'est de me dire, mais est-ce que je mérite déjà de me parler comme ça? Est-ce que ça me plaît de m'étaler mon caca là toute ma vie? Peut-être que j'arriverai pas à m'aimer plus, mais au moins je mérite de me parler autrement. Et donc, ce que j'aime bien faire avec des femmes que j'accompagne, des fois quand elles sont parents ou qu'elles veulent l'être, ou qu'elles ont frères et sœurs, je leur dis, mais est-ce que tu aimerais parler comme ça à tes enfants? Tout à fait. Ben non, j'aimerais pas parler comme ça à mes enfants. Ben parle-toi comme t'aimerais comme tu aimerais parler à tes enfants. Si tu deviens ton propre père et ta propre mère bienveillante, ben c'est bizarre comment tu vas t'aimer différemment. La quatrième chose, je pourrais parler des heures juste de l'amour de soi, c'est que la plupart des gens, s'ils n'arrivent pas à s'aimer, c'est qu'en fait, ils sont en contradiction entre ce qu'ils font, ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent. Tu Est-ce peux que pas tu peux t'aimer. développer un peu ça? C'est très intéressant. Ben, on a un système de valeurs. Ce système de valeurs, il détermine ton bien-être, tes actions, tes choix, ce que t'attire, tes opportunités. Tout est érigé autour de ton système de valeurs. Ton système de valeurs, c'est par exemple, ben, tu peux avoir comme valeur ta famille. Si ta famille, c'est ta valeur numéro une, tu vas avoir tendance à penser souvent à ta famille, de parler souvent de ta famille. Tu as tendance à investir de l'argent pour ta famille, des pensées pour ta famille, de l'énergie pour ta famille. Et ben, imaginons que quelqu'un a comme valeur numéro une la famille et, je sais pas, par exemple, le voyage en dernier. Et qu'elle se force à voyager parce que elle croit que ça sera bien. Bah, typiquement, c'est le meilleur moyen de détruire son niveau d'estime d'elle-même. Dès lors que tu fais quoi que ce soit à l'encontre de ton système de valeur, ton estime de soi, elle baisse. À l'autre exemple, ça peut être l'inverse. La personne qui a comme valeur numéro une son projet pro. Et sa famille, c'est en fait, en réalité, c'est en quatre. Mais qui se force à voir sa famille, se force à appeler sa mère, se force à rester avec ses enfants. Parce que ça fait bien. Et pire que ça, parce que si je le fais pas, ça fait mal. Et donc c'est de la culpabilité. Et ben dans la culpabilité, mon estime de moi va chuter. Le nombre de femmes que je rencontre, que j'accompagne, qui en fait vont aller voir leurs parents à Noël, pas parce qu'ils sont contents de le faire, parce qu'il faut le faire. Dès lors que t'as il faut, ton estime de soi, elle baisse. De toute façon, à chaque fois que tu prends pas une décision qui est en accord avec ce que certains pourraient appeler ton âme, tes tripes ou ton cœur, à chaque fois que tu fais ça, ton estime de soi, elle baisse. À l'inverse, à chaque fois que tu prends une décision en accord avec toi-même, peu importe si l'extérieur juge, peu importe si l'extérieur critique, peu importe si l'extérieur dénigre, à chaque fois que tu fais ça, ton estime de soi, elle monte. Donc, la vraie question à chaque fois pour développer l'estime de soi, c'est qu'est-ce qui est important pour moi? Si ce qui est important pour moi dans l'instant présent, là, c'est d'aller faire du sport, et c'est plus important que ma boîte, plus important que tout, le meilleur cadeau que je vais faire à tout le système, mais pas qu'à moi, c'est d'aller faire du sport. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'aller en relation avec quelqu'un. Et quand tu es en relation avec cette personne, au moment où tu es en relation avec cette personne, d'être en train d'être ailleurs, en fait. Ouais, tu te dis j'aurais dû faire ça à la J'aurais place, dû faire quoi. ça. Donc, tu n'es ni avec la personne, ni avec toi-même. Et ça, en fait, la réalité, c'est que la plupart des gens agissent par peur ou culpabilité. Oui. C'est difficile de l'assumer quand même. Notamment quand tu dois aller voir quelqu'un, quand tu te forces par exemple à aller voir quelqu'un, j'ai beaucoup de personnes, beaucoup d'auditrices qui me partagent ça. J'ai des personnes dans mon entourage qui critiquent mon poids, qui critiquent mon apparence, et je me force à aller à ces réunions de famille pour faire bien, pour leur faire plaisir. Donc comment concrètement on assume de bah non, moi ça c'est terminé, c'est peut-être comment on communique là-dessus ou comment on l'assume parce qu'on se confronte au rejet également. Alors, déjà, c'est intéressant, c'est difficile. Tu as raison, c'est difficile. Mais c'est aussi difficile d'avoir une vie de merde. C'est vrai. Faut mettre les choses en perspective. Bien sûr, c'est difficile de réussir sa vie, mais c'est difficile d'être mal dans sa peau aussi. Donc, finalement, les deux sont difficiles. C'est difficile d'être en surpoids, tout comme c'est difficile de faire du sport. Voilà, maintenant, entre deux choses difficiles, il y en a peut-être une qu'on préfère, en fait. Donc, de toute façon, tu seras rejeté en fait. Déjà, tu seras rejeté par toi. Pourquoi il y a des tentatives de suicide? C'est quoi un suicide?
C'est en fait, tu te rejettes toi-même. Donc, tu auras du rejet. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu préfères te rejeter toi-même, être rejeté par les gens qui sont vraiment importants pour toi, ou tu préfères éviter le rejet de gens qui t'aiment pas suffisamment pour qui tu es? Parce que c'est ça, hein. C'est la vraie question. La bonne, plus tu vas t'honorer et être respecté, plus ça va être un bon indicateur de qui vraiment est prêt à t'aimer pour qui tu es. Tu détruis ta vie dès lors que tu fais quoi que ce soit par culpabilité. La personne, si elle n'arrive pas et qu'elle dit que c'est difficile, c'est qu'elle réalise pas que dans 10 ans, elle va juste vers la déprime et la dépression, c'est tout. C'est qu'elle a aucune conscience de vers quoi elle va. Elle n'a pas de conscience de ce qu'elle donne comme message à ses enfants. Dès lors que tu fais quoi que ce soit par culpabilité, tes enfants, tu peux leur dire réalise tes rêves, tu leur apprends à agir par culpabilité. Donc, le c'est difficile, il faut le mettre en contraste avec à quel point c'est difficile de ne pas réaliser sa vie non plus. Donc, tes parents, comment faire du coup avec ses parents? Bien sûr, il y a une conversation à avoir. L'idée, c'est encore une fois de ne pas être binaire. Je suis pas en train de dire qu'il faut plus les voir. Mais si ça se trouve, au lieu de me dire je vais les voir 4 jours, eh ben, je vais aller les voir 2 jours. Mais ce qui est très intéressant aussi, c'est que quand donc voilà, on a décidé d'agir pour être plus juste avec soi-même, Ouais. quand on ose, et c'est inconfortable, donc on passe à l'action, mais c'est quand même inconfortable. Derrière, on devrait se sentir fier de soi, d'avoir réussi davantage à se respecter. Mais il y a aussi le cas où le soir, tu peux ruminer encore et encore ce qui s'est passé, et te dire, oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas blessé telle personne? Comment on transforme ça? Comment derrière cette action qu'on a fait pour être plus juste avec soi-même, on prolonge ça en étant fier de soi? C'est une bonne question parce que c'est vrai que tu peux par exemple te dire tiens je vais aller m'honorer, par exemple voir un jour de moins ta famille ou leur oser l'assumer par exemple ou peut-être avec tes amis tu vas leur dire voilà c'est important pour moi cette année de m'investir dans sur tel projet et avoir de la culpabilité qui remonte. Donc ton corps il fonctionne à 99% avec des addictions, on est addict à nos comportements, on est addict à nos habitudes et heureusement c'est pas quelque chose qui est mal. D'ailleurs dans mes séminaires je travaille énormément avec la notion de bien ou mal, ce qui génère le plus de mal chez les gens, c'est justement d'être dans une vision qui est du bien et du mal en fait. Tout ce que tu fais va générer chez certaines personnes du bien, chez certaines personnes du mal. C'est une illusion en fait, l'idée de bien ou mal. Donc, vu qu'on les fonctionne par addiction, il y a des grandes chances que si tu changes d'un coup ton comportement, ton corps il soit addict à ton ancien comportement. Tu vas juste ressentir de la douleur parce qu'en fait, t'es addict. T'es addict à manger ton sucre, t'es addict à te parler comme ça, t'es addict à quoi que ce soit. La partie limbique de ton système, elle est là pour que tu reproduises ce que tu as toujours fait. Et encore une fois, on n'est pas dans une question de c'est mal. Heureusement qu'on fonctionne par automatisation. Si on n'avait pas cette partie limbique, on se réveillerait tous les matins, on serait incapable de voir, d'entendre, de percevoir, de marcher, de bouger, de faire quoi que ce soit. On serait juste des bébés chaque matin. Donc c'est quelque chose qui est important, cette idée d'automatisation, que tu n'aies plus à réfléchir pour marcher, que tu n'aies plus à réfléchir pour voir, que tu n'aies plus à réfléchir pour reconnaître les choses. Il faut comprendre qu'un enfant, quand il naît, il voit pas ce que tu vois. Il va devoir tout organiser pour créer sa perception de la réalité. On vit dans un monde où en fait on voit pas ce qu'on voit. C'est des milliards d'informations qui sont chaotiques. Le but du cerveau, c'est de mettre du sens dans ce désordre-là. Donc, j'agis autrement. Je ressens de la culpabilité parce que mon corps est addict à certaines émotions du passé. Quelque part avant, je ressentais la culpabilité déjà. Mais sauf que je ressentais la culpabilité de ne pas m'être honoré. Maintenant, c'est exactement comme quelqu'un qui est en train de se désintoxiquer. Si j'ai la conscience que ce processus-là, il est normal, je vais dissocier ce que je ressens physiquement avec vers là où je vais. Les gens vont associer, ouais, je me sens mal, donc j'ai fait quelque chose qui n'allait pas. Tout à fait, ouais. Mais si tu te drogues pendant 10 ans à la coke et que tu arrêtes de prendre de la coke, tu vas te sentir plus mal que quand tu prenais de la coke. Donc, encore une fois, c'est une question de vision. C'est une question de qui j'ai envie d'être. Où est-ce que j'ai envie d'être? Et là, l'autre bonne question, c'est au moment où je l'ai fait, est-ce que j'ai senti que c'était juste? C'est-à-dire, et de faire confiance à l'intuition du moment, pas après coup, où je vais commencer à être dans ma perception, ouais, mais ça se trouve, ma mère, elle va penser ça, et mais finalement, ça se fait pas, je suis quelqu'un de mal, d'où le fait pourquoi je travaille sur le bien ou mal, c'est que dès lors que t'as bien ou mal, t'es voué à souffrir. Si les personnes vont dire, oh, mais si j'ai dit ce truc-là à la personne, ça se trouve, du coup elle souffre. Moi je peux pas souffrir que quelqu'un souffre parce que je sais que faire souffrir quelqu'un ça peut l'aider à grandir. Donc j'ai plus ce truc-là. Tant mieux si la personne elle souffre. Je suis là parce qu'il y a des gens qui m'ont fait souffrir. Donc j'ai rien à faire qu'il y ait des gens que je fasse souffrir des gens, des gens qui me fassent souffrir. Ça n'existe pas un monde sans souffrance.
Ça n'existe pas un développement sans souffrance. Ça n'existe pas un muscle sans souffrance. Ça n'existe pas un couple sans souffrance. Ça n'existe pas un business sans souffrance. L'illusion des gens dans le développement personnel, c'est de penser qu'un jour, ils auront un monde en paix, sans chaos. Ce qui est une pure illusion. Notre cerveau, il est construit pour gérer le chaos. Tu ne peux pas grandir sans le chaos. Tu ne peux pas grandir sans remettre en question les choses. Tout à fait. Donc déjà, quand tu as compris ça, tu te rends compte que tout ce que tu as généré, ça ne peut que être bon pour les autres. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. J'écoute, je suis fascinée, mais c'est très Et alors, intéressant. ce qui, mon challenge là pour moi dans cette interview, c'est qu'il y a même sur des sujets qui reposent sur plein de détails. Et il y aurait presque besoin de faire une interview pour chaque question, J'entends bien. tellement c'est subtil. Là, je sais que cette notion de bien ou mal, il y a des gens qui ne sont pas habitués à l'entendre comme ça et que je peux choquer. Donc je suis en train de me dire, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'ils vont la comprendre? Parce que on pourrait faire juste une journée sur comprendre à quel point il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le meilleur moyen de le comprendre facilement, c'est de réaliser qu'il y a des choses qui nous ont fait souffrir, qui nous ont fait grandir. Oui, mais tu as raison parce que dans c'est bien que tu l'aies développé dans les régimes, la plupart du temps, c'est je fais bien, je fais mal. Et quand je fais mal, il y a la culpabilité. Donc cette Et notion de bien et de l'intelligemment, c'est mal, ce qui fait d'ailleurs, pour exactement. répondre à une question que tu m'as posée hors caméra, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui arrêtent? C'est lié à cette dualité bien-mal. Pareil dans les rituels de développement personnel. Les gens lisent le rituel de Gandhi, ils le font 4 jours, et après ils n'y arrivent pas un jour, et là ils se fouettent. C'est lié. Tant que tu es dans une notion de bien ou mal, tu es voué à ne pas y arriver. Il n'y a pas de bien ou mal. Tant que tu es dans timide, pas timide, tu n'y arrives pas. Tant que tu es dans confiant, pas confiant, tu n'y arrives pas. Tant que tu es dans échec, pas réussite, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que le premier truc à casser, c'est est-ce que dans le présent, j'ai fait ce qui me semblait juste? Ça, c'était la première chose. C'est-à-dire que j'ai fait ça devant mes parents. Au moment où je l'ai fait, ça me paraissait être la meilleure chose que je pouvais. Je fais confiance. Ensuite, après coup, je culpabilise. Je me rappelle que mon corps est addict au passé. Et que pour arriver à devenir la nouvelle personne que j'ai besoin de devenir, j'ai besoin de rendre mon corps addict à des nouvelles émotions. La personne qui a été addict à la culpabilité, et ben d'un coup, faut imaginer que c'est une drogue au niveau cellulaire. C'est-à-dire que les émotions, c'est de la chimie dans le corps. Donc, si la personne elle a ressenti beaucoup de culpabilité, elle a besoin de manger sa culpabilité. Donc, même dans une situation où elle a fait quelque chose qui était top pour elle, elle va trouver un prétexte à ressentir de la culpabilité. Elle va aller voir dans son passé, dans son futur. Elle va modifier la réalité pour se dire, j'ai des raisons de me sentir mal. Tout à Mais fait. si la personne a la conscience de ce schéma-là, elle va se dire, ah oui, c'est vrai, j'étais drogué à la culpabilité. Donc, c'est normal que je ressente ça. C'est mon corps qui est en train de passer par les secousses. Vous savez, comme quand on voit quelqu'un qui a une cure de désintox, il se met à trembler, bouger. Et bien en fait, la réalité, c'est que dans mes séminaires, pour tout, on est addict. Et pour tout, on peut avoir les mêmes spasmes qu'une drogue. On est drogué à tout. Maintenant, ce que je veux, c'est passer que la personne soit addicte à la culpabilité, à addict avec l'évolution, ou addict à la gratitude, ou addict à l'enthousiasme, ou addict à la détermination, ou addict à la foi, ou addict à la confiance, ou addict à l'amour de soi. Et pour ça, dès qu'elle se rend compte qu'elle est en train de passer sur ouais, mais tu comprends, est-ce que j'ai mal fait? Là, est-ce que c'est une pensée utile? Non! La bonne question, c'est. Est-ce que j'ai fait de mon mieux? Oui. Est-ce que je me suis dépassé? Oui. Est-ce que j'ai progressé? Oui. Quand je vois de où je pars depuis 10 ans, est-ce que je suis une personne qui a avancé? Oui. Est-ce que finalement, par rapport à mon enfance, j'ai progressé? Oui. Est-ce que quand je l'ai fait, ça me semblait être la meilleure chose? Oui. Est-ce que j'ai envie toujours d'avancer? Oui. Est-ce que je peux apprendre quelque chose de la situation? Ça ne veut pas dire que j'ai parfait parfaitement. Hein. Est-ce que je peux apprendre quelque chose? Oui. Est-ce qu'en appliquant ce que je peux apprendre, ça va me faire grandir? Oui. Et c'est à moi d'éduquer mon système nerveux à focaliser sur ce qui marche. Regarde, c'est très simple. Je pourrais te déprimer si je voulais en 25 secondes. Je vais te demander de chercher les trucs que tu détestes dans ta vie. Je vais te demander d'imaginer des enfants morts, mutilés. Je te décris des images. Je prends un enfant où je lui transperce les yeux. Je vais faire ça pendant 20 minutes. C'est sûr, ton énergie, elle va chuter. Ce qui se passe aux actualités tous les soirs, hein. Oui! Je vais te faire te rappeler les moments les plus sombres de ta vie. Les moments où tu as fait des trucs où tu as regretté. Et ton énergie, elle va chuter. Oui, tout à fait. Et c'est pas parce que t'es quelqu'un de mal, parce que t'es programmé comme ça, et je suis programmé comme ça. Donc, on a un potentiel. Pourquoi utiliser ce potentiel dans la mauvaise direction? Autant utiliser le potentiel plutôt que mauvaise direction, utiliser ce potentiel dans quelque chose qui me fait grandir. Comment je sais si ça me fait grandir? Si je sens que je me sens évoluer, je me sens progresser. Alors, quelle est la différence justement quand tu vas aller dans l'expérience? Donc, je vais utiliser le mot échec, même si je sais que c'est extrêmement constructeur, qu'on apprend des choses dans l'échec aussi. Quelle est la différence entre les gens qui vont construire à partir de leurs échecs et ceux qui vont abandonner à partir de leurs échecs et qui vont victimiser? Mais déjà, en fait, c'est intéressant, c'est qu'il y a une grosse partie de la réponse dans ta question.
C'est que la personne qui n'a pas de problème avec l'échec n'échoue jamais. Elle n'a Mais plus d'échec. quelle est donc du coup la vision à avoir de l'échec pour qu'on puisse construire efficacement à partir de nos échecs? C'est tout le travail qu'on fait dans mes séminaires ou dans mes coachings, c'est que dès lors que tu réalises qu'il n'y a rien qui existe sans perte, enfin, il n'y a aucune perte qui existe sans gain, et aucun gain qui existe sans perte. Alors ça, effectivement, je te l'ai plusieurs fois entendu dire et je voulais qu'on le développe dans cette interview parce que j'ai du mal à comprendre cette idée. Oui, attends, on va Est-ce faire que très tu as un simple. exemple très concret de J'en ça? ai mille si tu veux des exemples. Donne-moi un des moments les plus durs de ta vie. Là, comme ça? la perte de mon grand-père. Ok. Qu'est-ce que tu as appris de ça? Bah, j'ai appris à me dépasser, j'ai appris que la vie était fragile et donc importante. Ouais, d'accord. Non, non, on va aller au bout. On va aller au bout. Est-ce que c'est possible que tu puisses inspirer des gens avec ça? Bien sûr. Bah, c'est de là que j'ai pu aussi créer l'activité que je fais aujourd'hui. Ok, donc ce que tu me dis, c'est que parce que tu as perdu ton grand-père, tu as trouvé l'énergie de créer l'activité que tu as aujourd'hui. Oui, la conscience que la vie, il faut faire ce qui est important pour soi dans la vie, tout à Ok. fait. Quand tu penses à ce que tu fais aujourd'hui, aux gens que tu accompagnes, tu te sens comment? Je suis très anxieuse, mais à la fois très enthousiaste de ce que je fais. Quand tu vois le chemin que tu as parcouru, je parle, tu te sens comment? Fière. Fier. Quand tu vois d'où tu pars, comment tu sens? Petit à petit, fière, ça prend du temps. Là, je parle aujourd'hui. Quand tu vois d'où tu pars, comment tu te sens? Fière. Est-ce que c'est possible qu'un jour, tu aies quelqu'un qui te voit en vidéo ou quoi que ce soit, et parce que tu as transformé la perte de ton grand-père, tu puisses l'inspirer? Oui, je pense. Tu penses ou c'est sûr? C'est sûr. C'est sûr. Si tu l'as perdu à quel âge? C'était quand? En 2007. En 2007. Ok. Imaginons que demain, tu croises quelqu'un qui vient de perdre son grand-père. Tu lui parles de ton histoire, et là d'un coup tu vois la personne qui tombe de larmes de gratitude. Ça te ferait quoi? Je crois que je peux pas l'expliquer avec des mots. Tu ressentirais quoi? Un immense bonheur et quelque part Ok, le. super, imagine-le là. Imagine même qu'il y ait quelqu'un derrière l'écran qui vient de perdre son grand-père. T'aimerais lui dire quoi? Mais que ça peut complètement vous éveiller à des choses essentielles pour vous et pour réussir votre vie. Ok, cool. Si là cette personne était là et tu la voyais transformée 10 fois plus vite que ce que t'as mis, parce que toi tu l'as vécu. Au moment même où tu la verrais pleine de gratitude, la personne. Et je te demandais, si on pouvait changer l'histoire, est-ce que tu voudrais récupérer ton grand-père? Non. Ben voilà. Oui, Et c'est là. extraordinaire, ça se vit, ça se décrit pas. Là, on vient de le faire que 2 minutes. Maintenant, imagine que en coaching, je t'entraîne 1 heure, 1 heure, à faire que ça. On n'est pas le. Pour moi, il y a plusieurs strates de conscience dans le développement personnel. Il y a plusieurs niveaux. Il y a un niveau assez basique dans le développement personnel qui est. C'est bien déjà. Qui est qu'il faut accepter. Pour moi, je ne suis pas dans l'acceptation. C'est vraiment différent d'avoir de l'acceptation et de la gratitude. Acceptation, c'est. Ok, c'est fait, c'est bien, voilà, c'est fait, donc je grandis avec. D'accord. Mais tu vois, dans le truc, tu as une notion de. Ça a été dur. La vraie gratitude. Et c'est ce que je t'amène là à faire. C'est qu'en fait, tu vois au même degré la souffrance que tu as eue et l'amour qu'il y a eu là-dedans. Et quand ton système nerveux, il voit les deux, c'est la synthèse des opposés, c'est comme au niveau électrique, tout tient ici au niveau particules parce qu'il y a du plus et du moins. C'est-à-dire qu'il y aurait plus de plus, le monde s'écroule. La Terre elle-même tient parce qu'il y a l'équilibre des forces. Tout est équilibré. Au niveau mécanique, ça pourrait pas tenir si c'était pas équilibré. Je comprends. Pourtant, là, on a l'impression que c'est de la matière. Si tu vois au niveau atomique, au niveau particule, Oui, tout à fait. c'est que tout truc en mouvement. C'est comme pour voir l'image, c'est comme un ventilateur qui tourne très vite, t'as l'impression qu'il est fixe. Enfin, t'as l'impression que c'est de la matière. Pourtant, tu sais qu'il y a des trous. Mais faut imaginer que ça tourne tellement vite que c'est comme plein de micro-ventilateurs, t'as l'impression que c'est de la matière. Tout à fait. Et donc là, on voit que ça t'a fait grandir. Ça va faire grandir d'autres personnes. Ça t'a permis de créer ton activité. Dis-moi ce que t'aimais chez ton grand-père.
Sa convivialité et sa détermination. Ok, convivialité, détermination. C'est important pour toi? Oui. Quand tu repenses à ça, tu ressens quoi? Je suis fière de l'avoir eu comme grand-père. Et je voudrais que tu me dises sous quelle autre forme, depuis qu'il est mort, tu as retrouvé de la convivialité? Bah dans l'esprit de ce que je fais, dans le partage, le blog, c'est du partage puisque je le finance moi-même. Donc c'est partager aux autres ce qui m'anime. Yes. Quand est-ce que tu trouves de la détermination depuis que ton grand-père est mort? Toujours dans mon activité. Regarde. Il y a une loi en chimie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est une loi chimique. Tu pourras la trouver dans tous les systèmes. Ce que t'aimais chez ton grand-père, au même moment où il est mort, ça s'est matérialisé sous d'autres formes dans ta vie. Les gens essayent de faire un deuil en acceptant. Tu peux pas accepter un deuil parce que tu vois que la perte. Pourquoi là t'es en train de te sentir de mieux en mieux? Parce que j'aide ton système à voir perte et gain au même instant. Si j'essayais de te faire voir que gain, ça marcherait pas non plus. Le nombre de personnes qu'on voit dans le développement personnel, et j'imagine des gens qui ont du mal dans l'audience, parce que des fois elles vont entendre dans des livres, ce que tu me disais tout à l'heure, elles n'y arrivent pas, mais elles sont en résistance. Mais c'est normal qu'elles soient en résistance. On leur dit qu'il faut sourire, on leur dit qu'il faut dire que tout va bien. Mais la réalité, c'est que si elles sont en surpoids, on n'est pas en train de dire que tout va bien. Exactement, ça sert Si à elles ont un rien. cancer. Et donc, le gros challenge du développement personnel, c'est ce monde un peu bisounours. Maintenant, c'est comme si tu avais d'un côté les gens bisounours et d'un autre côté les personnes dépressives. Mais en fait, on est les deux. On peut marier les deux. Et donc, c'est top que tu me poses la question et que tu puisses vraiment partager ça au travers de cette interview. Quand je dis que c'est équilibré, perte et gain, on revient sur l'échec, c'est de réaliser que tu peux pas réussir sans avoir eu des échecs. Et le meilleur moyen de te le prouver, on pourrait le faire avec toi. Tiens, donne-moi une réussite que tu as eue. Un truc qui t'a rendu fier. Là comme ça, Un je truc sais qui pas, t'a réussi. d'avoir décroché là un job qui me permet de partir au Canada. Allez hop. Ok. T'as décroché un job qui te permet de partir au Canada. Ok, je voudrais que tu me dises quel échec t'as eu précédemment à ça, peu importe quand, qui quelque part t'a permis d'avoir ça. Bah, le fait d'avoir payé quelqu'un pour un site et ça s'est très mal passé. Ok, ça t'a appris quoi? Ça m'a appris que j'étais capable de faire les choses par moi-même. Bien. Est-ce que c'est possible que si t'avais pas eu ce truc-là, tu serais pas parti au Canada? C'est certain. Voilà. Là, on est qu'il. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vie. Je suis pas en train de te dire que ça a été agréable avec cet homme-là. Tu vois la différence? Je passe d'un monde de bien mal à un monde de agréable, désagréable. Parce que factuellement, on n'en est que là. La personne qui ressent de la culpabilité, elle croit que c'est mal. Non. On sait juste que c'est désagréable. C'est la seule chose qu'on sait. Mais désagréable ne veut pas dire problème. Tu vois la différence? Je vois la différence. Et donc, là, on pourrait le faire avec l'audience. Lister 10 victoires dans votre vie et réaliser que les 10 victoires sont la conséquence d'échecs. On pourrait le faire dans l'autre sens. Listez-moi 10 plus gros échecs dans votre vie et trouvez-moi par échec 3 situations ou 3 réussites qui ont été déclenchées suite à cet échec. Je m'amuse souvent dans mes conférences. Qui a divorcé? Ok. Qui a souffert du divorce? Super. Qui, après coup, s'est dit merci. Merci. J'ai bien fait de divorcer. C'est après coup qu'on se rend compte. Oui, tout à fait. Steve Jobs, il a été viré d'Apple, et comme il dit, ça a été le médicament le plus dur de ma vie, mais le patient en avait besoin. C'est ça. C'est de réaliser que tu vis des choses qui sont pas agréables, mais elles sont parfaites pour toi. Je te remercie d'avoir développé ça et je pense que c'est une clé qui va vous être très utile parce qu'on l'entend effectivement, mais de là à la vivre, c'est quelque chose de complètement différent. Et tu la vis quand tu ouvres les yeux, en fait. Quand tu ouvres les yeux sur le fait que tout ce qui t'arrive te fait grandir. Et du coup, tout s'équilibre. Donc, tu n'as plus vraiment d'échecs parce que ça va t'apprendre des choses. Donc, maintenant, pour répondre à ta question de comment tu le transformes et comment tu deviens addict à l'évolution plutôt qu'à l'échec, eh ben, c'est qu'à chaque fois que tu crois dans l'échec, entraîner ton système nerveux à voir en quoi ça te fait grandir. Entraîner ton système nerveux à voir ce que tu apprends de la situation. Entraîner ton système nerveux à voir en quoi cet échec va faire grandir les autres. Parce qu'au fond, pourquoi on est là? Pour évoluer. Pour évoluer et faire évoluer les autres. C'est-à-dire que nous, on est comme les cellules sont des cellules de notre corps, nous, on est les cellules d'un corps qui s'appelle la Terre, Tout à fait. qui est vivant. Et donc, on a une mission individuelle et on a une mission vis-à-vis des autres. Notre première mission, c'est de diffuser du bien-être, de faire notre maximum
pour irradier du bien-être. Et la deuxième mission, qui est la conséquence de la première en fait, c'est d'inspirer les autres eux-mêmes à être dans le bien-être. Alors ça peut être par des produits, ça peut être par des services, ça peut être par une association, peu importe la forme ou la façon. Mais on est là pour évoluer et faire évoluer les autres. Donc quand tu te rends compte que tes échecs peuvent faire grandir les autres, c'est plus un échec. Une autre façon de te le démontrer, tu me fais la liste de gens qui t'inspirent. Tiens, donne-moi des gens qui t'inspirent, trois personnes. Bah déjà, donc David Laroche, Voilà. qui est-ce qui m'inspire? Il y a Lilou Massé Lilou Massé. et Yannick Souvré, une basketteuse qui est énorme capitaine de l'équipe de France. Super. Voilà. Ok, est-ce que ces personnes-là ont vécu des échecs? Bien sûr. Est-ce que ça a toujours été facile? Non, j'imagine. Ah non. Donc tu te rends compte que les gens qui nous inspirent, bizarrement, sont pas des gens pour qui ça a été facile. Donc pourquoi vouloir une vie facile alors que ce qui nous inspire, c'est pas la facilité? Oui, je Donc comprends. pour boucler sur ce que tu me disais quand tu me disais ouais mais c'est difficile, mais t'as raison, mais ça tombe bien. Ce qui nous inspire autour de nous, c'est pas la facilité. La première fois j'entends Will Smith qui dit I wanna represent possibilities, il y a 4 minutes d'interview, putain pourquoi cette phrase va me faire pleurer? Elle est pas mieux que les autres phrases en fait. Si ça se trouve, il y a d'autres personnes que eux ont été touchés par une autre phrase. Si on est touché à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des choses chez les autres que ça nous renvoie à qui on est, nous, à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, quand je vais réaliser ça, je vais réaliser, attends, moi, ce qui me rend fier, c'était les échecs. Ce qui m'inspire chez les autres, c'est comment ils ont transformé leurs échecs. Je vais me rendre compte que mes échecs, ils peuvent inspirer d'autres personnes. Pourquoi? Parce que moi, je peux être le mentor d'autres personnes. Et donc, en fait, on est tous élèves et mentors de tout le monde. Les Chinois, ils disent, tout le monde est maître dans un domaine. Là, il y a des choses dans ta vie où j'ai à apprendre de toi. Si t'en parles, si tu t'assumes d'en parler, etc., il y a des grandes chances que tu m'inspires. Il y a forcément quelque chose chez toi qui existe en moi où je vais avoir besoin de toi pour l'ouvrir en moi. Tu comprends? Je comprends. Pourquoi il y a 8 millions de personnes qui ont vu mes vidéos? C'est parce qu'il y a 8 millions de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, ont vu quelque chose chez moi qu'il y a en eux. Plus moi je révèle ma puissance, plus je transforme mes échecs, plus je transforme mes difficultés, plus j'avance, plus je vais inspirer. Mais inspirer, c'est pas moi qui inspire. C'est qui je suis qui renvoie quelque chose chez les autres. Oui, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Tout à fait. Et donc, quand des fois je vais avoir du mal avec un échec, bah, je vais me rappeler, un, que mes précédents échecs m'ont fait grandir, deux, que j'ai à apprendre quelque chose de l'échec, trois, que mes sources d'inspiration ont eu des échecs. Donc, ça m'aide à devenir une source d'inspiration. Parce que je ne peux pas être inspirant sans échec. Donc, tant qu'à faire, tant mieux. Ça me fait de la matière pour être inspirant. Tu vois? Et quatre, je vais comprendre plus tard pourquoi ça m'est arrivé. Je mettrai d'ailleurs en lien sous la vidéo, il y a des vidéos où tu transformes justement en live une situation, enfin un problème qui t'est arrivé. Voilà. Je vous les mettrai en live sous la vidéo que vous puissiez regarder aussi. Je vous invite à voir comment tu fais ça concrètement. Pas en train de dire que c'est facile ou difficile, c'est juste que c'est s'honorer soi et c'est miser sur soi que de s'éduquer finalement à se rendre compte que la vie elle nous apporte sur un plateau exactement ce dont on a besoin, mais pas sous forme de facilité. Elle nous apporte la partie agréable et la partie désagréable de ce dont on a besoin pour passer à un autre niveau en fait. Quand tu réalises ça, tu réalises qu'en fait finalement c'est comme si tu étais béni par la vie. Mais pas béni dans le monde bisounours. Le gros challenge des gens, c'est qu'ils rêvent d'une vie où ils auront plus de difficultés. Alors qu'en fait, la vie, elle t'apporte ce que tu as besoin. Le plus beau jour de ta vie, le plus beau jour de ta vie, c'est quand tu réalises que ta vie rêvée, c'est celle que tu as maintenant. Le paradoxe, il est là, en fait. Là, au moment où ta vie, elle se met à s'accélérer, tu te mets à attirer des personnes, tu te mets à mincir, tu te mets à avoir de l'argent, c'est quand paradoxalement, tu arrêtes de croire que ça sera mieux plus tard. Au moment où tu commences à comprendre que ton corps tel qu'il est, maintenant tout de suite, c'est le mieux pour maintenant, que tes relations c'est le mieux pour maintenant, que là où t'en es c'est le mieux pour maintenant, que tes échecs c'est le mieux pour maintenant, et que t'as de la gratitude pour ça, que t'as ton cœur qui s'ouvre, et ben paradoxalement, tu deviens inspiré. Inspiré c'est fort inspiration. Inspiré d'ailleurs quand t'es inspiré, c'est-à-dire que tu prends l'énergie de la vie en toi, tu te mets à avoir plus de créativité, ton système immunitaire, bah, il est boosté. C'est bon, il y a des études neuroscientifiques de partout où le stress réduit ton défense immunitaire et pourrit ton corps. Dès que tu peux avoir de la gratitude, tu as tout ton système qui s'ouvre, tu as ta posture qui s'ouvre, l'énergie qui monte, ta respiration qui arrive. Et là, d'un coup, paradoxalement, au moment où tu as le plus de gratitude de t'avoir la vie que tu as, c'est là où tu as le plus grand désir.
de passer la station radio du dessus. Mais pas le désir en mode ma vie, je l'aime pas. C'est plus que t'es excité. Tu dis ma vie, elle est tellement géniale. J'ai envie d'explorer la vie. Encore plus. Mais quand je dis elle est géniale, encore une fois, c'est pas en mode Hollywood. Oui. C'est-à-dire, elle va être géniale parce que ma chérie va me dire des trucs qui sont pas confortables tout le temps. Mais le fantasme de vouloir une femme qui est que confortable correspond à l'illusion de croire que je peux évoluer sans quelqu'un qui m'appuie sur là où ça fait mal. Tout à fait. Donc, du coup, il n'y a plus de rejet, il n'y a plus de critique. Tout, c'est de la matière pour évoluer. Je me rappelle d'une vidéo que tu avais fait, je crois que tu étais aux États-Unis, et tu disais, tu as eu envie de tout arrêter, je crois que tu allais voir David Allen. C'est ça. Et tu t'es dit, mais en fait, je suis en train de rencontrer les personnes les plus inspirantes pour moi et je ne suis pas heureux. Comment tu as transformé ça? Ça m'intéresserait de savoir la fin de l'histoire. Bah, la fin de l'histoire, c'est de me rendre compte que je suis pas la seule personne sur Terre à vivre ça et que si je me relève, je pourrais aider d'autres personnes à se relever. Quand on se sent mal, des fois, c'est qu'on est un peu égoïste. C'est difficile de se sentir bien que pour soi. Tu te sens bien quand tu es à l'équilibre entre, encore une fois, ta mission en tant que cellule de prendre soin de toi et de te rendre compte que ça va au-delà de toi. Donc je me suis rendu compte que j'étais malheureux. Pourquoi? Parce que j'avais passé 4 ans à avancer avec une carotte, mon fantasme, le fantasme que quand je pourrais avoir l'argent que je voudrais, les rencontres que je voudrais, être aux États-Unis, je serais heureux. Donc ça m'a tenu dans un fantasme. C'est comme les gens qui ont le fantasme que le jour où ils seront minces, ils seront heureux. Exactement. Il y a deux types de personnes, soit ceux qui n'y arriveront pas parce qu'ils sont dans le fantasme, soit les personnes qui arriveront à être minces, mais seront encore plus malheureuses parce qu'elles se rendront compte que du coup, ben, il y a d'autres choses qui ne vont pas. Donc moi, je faisais partie des personnes qui, j'ai obtenu mon fantasme, mais ça a été douloureux parce que du coup, j'avais plus de prétexte pour être malheureux. Exactement. Prétexte pour me sentir mal. Et ce qui m'a aidé à me relever, c'est de me dire, mais finalement, tu dois pas être le seul sur cette terre à réaliser et vivre tes fantasmes et te sentir mal. Donc, si tu te relèves, tu vas aider d'autres personnes à se relever. Donc, ça a été une crise identitaire. C'est comme l'adolescence. En fait, on vit des crises comme l'adolescence toute notre vie. La crise d'adolescence, c'est qu'en fait, c'est quoi la crise d'adolescence? C'est que tu veux garder les bénéfices de ton passé et avoir les bénéfices du futur. Mais t'as pas évolution sans détruire le passé et construire le futur. D'accord. C'est-à-dire que pour devenir le nouveau David que j'ai envie de devenir, je vais être obligé de lâcher des choses du passé. C'est-à-dire de lâcher des façons de me parler, de lâcher des relations, de lâcher des comportements, des habitudes, des façons de manger. Et c'est pas facile de lâcher. Et donc, soit tu acceptes de dire, bah, je préfère garder ma réalité du présent, par mon poids du présent. Et très bien. Mais si je veux changer, et je veux passer à la station radio du dessus, je vais devoir accepter de lâcher. Et donc, je me suis dit, ben, j'embrasse cette crise identitaire, parce que là, je suis en train de perdre mes fantasmes, je suis en train de perdre des sources de motivation, et je fais mon saut dans l'inconnu, et je fais confiance que la vie, elle va m'aider, en fait. Donc, tout ça, c'est plein de subtilités qui permettent de traverser. Mais donc, pour répondre à ta question, le plus gros facteur, c'était de me rendre compte que si je me relève, je vais pouvoir inspirer d'autres personnes. C'est D'accord. comme le poids. Si tu penses à ton poids que pour toi, eh ben, tu vas être motivé pendant un temps. Maintenant, si tu te rends compte que si toi, tu t'occupes de toi, tu prends soin de toi, tu pourras inspirer tes enfants, tes parents, ta famille, des amis, là, tu as une motivation illimitée. Le secret de la motivation, c'est de faire des choses qui te dépassent. Les gens me disent, mais comment tu trouves toute cette énergie? Mais c'est parce que je fais pas les choses que pour moi. Maintenant, je ne suis pas dans le monde bisounours en train de dire que je fais rien pour moi. Encore une fois, les gens sont souvent binaires en train de dire, oui, mais moi je fais de l'associatif, donc je fais rien pour moi que pour les autres. Et d'autres qui disent, je fais que pour moi. Non, je fais pour moi et pour les autres. Et c'est drôle. Quand tu fais pour les autres ce que t'aimes pour toi, c'est là où tu es pile au bon endroit. Moi, c'est simple. On était encore au restaurant hier, et j'étais avec un ami, je ne peux pas m'empêcher de coacher les gens. C'est plus fort que moi. Faut limite que je me force à arrêter que de le faire. Quand je le fais, je vois pas le temps passer, je vois pas le je, mon énergie elle monte, je suis là pour ça. Et donc aujourd'hui, je dédie ma vie à faire ce que j'aime pour apporter aux autres. Et c'est dans cet espace-là où tu es au top. C'est dans cet espace-là et ça répond à plein de tes questions où tu vas te mettre à perdre du poids, si tu te rends compte que si tu le fais, tu vas inspirer tes frères et sœurs, les gens autour de toi. Et si tu le fais aussi, tu vas être mieux dans ton corps, mieux dans ta peau, tu vas pouvoir te balader, peut-être attirer d'autres hommes. Tu vois?
C'est cet espace-là où tu es vraiment au top. Pareil pour D'accord. toi, je sens que c'est tout ce que tu es en train de faire, ça te fait grandir. Donc c'est individuel. Donc c'est centré sur toi. Donc c'est égocentrique. Et au même degré que c'est égocentrique, je sens que c'est sorti tourné vers les autres. Et donc c'est altruiste. Les gens, ils veulent être altruistes, mais en fait, t'es altruiste et égocentrique. Tout comme dans mon coaching, je suis autant bienveillant que cruel. Parce que je peux pas aider quelqu'un sans être cruel. Là, par exemple, dans l'interview, j'essaye pas que les gens m'aiment bien, je m'en fous. Je dis ce qui me porte. Je sais que quand je dis ce qui me porte, il y a des gens qui vont me détester à l'interview. Exactement. Si vous me détestez, tout va bien. Pourquoi les gens qui vont me détester? Parce que par exemple, on va me détester, parce qu'il y en a qui vont même pas m'aimer en disant, mais pour qui il se prend? D'assumer sa valeur. Des fois, j'aime bien dire, je suis un génie dans ce que je fais. Quand je dis ça, je sais que je vais te déranger. Donc, je suis cruel. Mais je m'en moque. Ça pousse la personne à se remettre en question. Je sais qu'il y en a qui je vais déranger parce qu'ils vont dire, ouais, mais attends, c'est pas si facile. Mais je suis pas là pour renforcer leur schéma. Donc, je suis autant cruel que je vais être bienveillant. Bienveillant quand je vais dire aux personnes qu'elles peuvent le faire, qu'elles ont les ressources, que. Elles ont déjà réussi des choses. Donc voilà, je sens que chez toi, t'es autant égocentrique que tourné vers les autres, tout comme je suis autant tourné vers moi que vers les autres. Et quand t'acceptes qu'il y a les deux en toi, Oui. comme dit Mère Teresa, quand t'acceptes qu'il y a le diable en toi, c'est là où tu commences à avancer, bah, t'es heureux. Je comprends. T'es vraiment heureux. Je suis de plus en plus heureux parce que je m'aime là où j'en suis, tel que je suis de plus en plus. Tu vois? Je pourrais trouver des milliers de choses dans l'interview que j'aurais pu faire autrement et mieux. Il y a des interviews où j'ai été plus inspiré. Bon, c'est comme ça. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que à partir du moment où je m'aime, ce que je suis en train de faire devant toi, avec toi, c'est ce qui peut faire que cette interview soit la meilleure que j'ai jamais faite. Parce qu'au lieu de me focaliser sur j'aurais aimé que ça soit autrement, et ben j'apprends à m'aimer là, dans l'instant présent. Et c'est le paradoxe! Tu peux transformer tout ce que la vie te donne en magie comme ça. Ok. Tu comprends? Oui, je comprends. Mais pour ça, ça me demande de ne pas me concentrer sur comparer cette interview avec d'autres interviews. Ce qu'on a tendance à faire, même par rapport au poids, se comparer à d'autres femmes ou... Comparer à d'autres femmes ou se comparer à avant. Oui, Parce que aussi. sans, avec l'âge, tu peux te comparer à Oui, avant. tout à fait. Mais donc, si je me compare à avant, je vais forcément me sentir mal. Mais si là, je reviens dans le présent en disant, ok. C'est quoi mon intention maintenant tout de suite? Mon intention, c'est d'honorer ton interview. Mon autre intention, c'est qu'il y a des gens qui m'écoutent et je veux leur faire le plus beau cadeau que je peux. Mon autre intention, c'est de m'honorer moi. M'honorer moi, c'est aussi. Il y a des choses que je dis pas volontairement parce que je sais que les personnes ne sont pas forcément prêtes. Mais ne pas m'honorer, c'est ne pas dire des choses aussi. Donc, c'est trouver une danse dans l'instant présent, en train de me dire, ok, j'ai envie de leur donner ça parce que là, je pense qu'ils vont être prêts à l'entendre. Et pas leur donner ça parce que c'est trop tôt. Comprends. Et là, hop, je vais me sentir de mieux en mieux, ça va monter en fait. Et ma dernière question, c'est donc justement par rapport à la physiologie. Donc, tu expliques beaucoup que c'est important, bah, de se Yes, yes. redresser, de bien respirer. Moi, ce que j'ai vécu en travaillant sur mon énergie, c'est que comme mon corps n'était pas habitué à ça, ma physiologie changeait, j'ai eu des grosses, grosses périodes de fatigue derrière. Et je voudrais savoir si c'est normal et si toi, tu as traversé ça aussi. Alors déjà, c'est normal d'avoir ton corps qui réagit. Maintenant, il faut comprendre que tu as trois aspects dans toi. Tu as ton mental, tu as ton corps physiologique, je parle matériel, matière, et tu as ton énergie intérieure qui érige tout ça. Tu as dû remarquer qu'il y a des jours, parce que tu es super excité, il s'est passé un truc de fou, tu te tiens toute seule droite. Et ça fait pas besoin de forcer. Donc, si tu travailles que sur la physiologie, là, du coup, tu vas devoir travailler sur la structure. Et donc, tu vas devoir casser la structure. C'est ça qui fait que c'est inconfortable. D'accord. Si la personne se tient comme ça souvent, et que tu demandes de se tenir droit, elle est addict, encore une fois, à cette posture. Le corps, il est addict à ça. Donc, si tu demandes de faire ça, là, elle va se sentir que c'est inconfortable. Parce que c'est du coup, elle va devoir utiliser la puissance de ses muscles pour maintenir la structure. Et donc, là, effectivement, ça va être inconfortable. Maintenant, je veux dissocier les courbatures à l'inconfort du présent. Les courbatures, c'est bon signe. Parce que c'est après qu'on a des courbatures. C'est après avoir fait l'effort. Donc les courbatures, quand on a, c'est que ton corps, justement, il est en train de transformer. Maintenant, avoir du mal à tenir, c'est lié au fait qu'il n'y ait pas l'énergie.
Parce que quand tu connectes à l'énergie, tu es plus énergie que matière. Par exemple, les jours, si là je donne, je sais pas, je donne un exemple, je donne 1 million d'euros à quelqu'un, même s'il avait mal au genou, sur le moment où je lui donne ça, il oublie son genou. Même il va se mettre à courir. Il va être là, parce que il devient énergie. Pareil, quand tu vas, imaginons, t'as pas vu ton copain depuis 5 ans, et là tu le retrouves, même si t'avais mal au dos, même si t'avais du mal à tenir droit, bah, l'énergie elle va partir du ventre, ça va ouvrir le ventre, ouvrir le plexus solaire, ouvrir le cœur, ouvrir la gorge, ouvrir les yeux, ouvrir les tempes, et tout ton corps s'ouvre. Et là, à ce moment-là, t'as besoin de zéro effort. C'est vrai. C'est ton énergie qui monte. Donc, le challenge, entre guillemets, la subtilité qu'il y a quand tu accompagnes les personnes sur ça, c'est que souvent ce qui se passe, c'est qu'elles ont la posture liée à leur énergie intérieure du passé. Donc, plus elles se sentent dans la culpabilité, tu te sens pas dans la honte comme ça, hein. Non, rarement. Tu vois, tu te sens plus dans la honte comme ça, les épaules vers le bas. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est un héritage génétique, hein. Enfin, tu prends les singes, quand ils vont être intimidés, naturellement ils baissent les épaules. Ah oui? Donc, on a cette mécanique. Quand on est intimidé, qu'on a peur, hop, repli. Quand tu fais ça, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes la gorge, tu coupes le plexus solaire, tu serres le ventre. Donc déjà, en fait, là, ton énergie ne peut pas circuler. Ce qui fait que si la personne, ça fait 10 ans qu'elle fait ça, elle est addict à une certaine énergie donnée. Donc si tu fais ce truc-là, le problème, c'est qu'elle a à la fois le corps addict à la posture et elle a l'énergie addict à l'énergie d'avant. Donc, il va falloir travailler les trois choses en même temps. Travailler les pensées qu'elle a. Parce que les pensées vont créer ton énergie. Si je te demande de lister, allez, donne-moi trois moments qui ont été top dans ta vie, trois moments cool qui te viennent comme ça. Là comme ça, Et que tu t'es éclaté, ce qui te vient. d'aller en voyage avec ma meilleure Tiens, amie. quand tu es en voyage avec ta meilleure amie, tu me trouves comme ça spontanément un des moments top du voyage. Tu t'es éclaté. Bah quand on a fêté son anniversaire. Ok, dans ce jour-là où t'as fêté ton anniversaire, est-ce qu'il y a une image qui te vient où t'as rigolé, où t'as eu de la joie? Bien sûr. Ok, tu l'as? Oui. Trouve le pic où ça a explosé, t'as explosé de rire, où t'as eu la joie. Il s'est passé quoi? Bah c'est quand je l'ai vu rayonner quoi. Ok, tu l'as là? Regarde, c'est en train de monter là. Tu sens ou pas? Je sens juste qu'il y a une petite partie de toi qui bloque. Oui, parce que C'est peut-être les mais caméras, je sais ouais. pas. Oh oui, c'est plus ça. Mais lâche, Mais je le sens. va me chercher. C'est important que tu montres aux personnes que quand tu vas à fond, ça fonctionne. Va me chercher, tiens, ferme les yeux. Va me chercher le moment où t'as vu ta copine rayonner. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je me sens heureuse d'être là. Et d'avoir peut-être contribué à ça aussi. Ok. Qu'est-ce que t'as vu à ce moment-là? C'est quoi le truc qui a déclenché? Qu'est-ce que t'as C'est vu? son sourire. C'est Je son la vois sourire. Vois son épanouie. sourire. Est-ce qu'elle faisait du bruit? Ouais, enfin, elle rigolait. Viens là, tu l'as. Toi, est-ce que t'étais en mouvement? Je saurais pas te dire. Enfin, oui, certainement, j'étais aussi. Il y avait Ouais, du j'étais heureuse mouvement d'être autour de là. toi, vous bougiez. Donc il y a son rire et son sourire, le bruit qu'elle faisait, qui t'a fait du bien. Ok, comment tu te sens là? Est-ce que l'énergie elle monte ou elle Ouais, descend? si, je le sens jusque dans le visage. Ok, ça monte. Et là on l'a fait juste quelques minutes. Donc si on faisait ça tous les jours, eh ben on commencerait à rendre ton corps addict à ça. Tu comprends? Donc là on a commencé à traiter le mental, parce que j'ai commencé à orienter tes pensées. J'ai forcé ton mental à focaliser sur de la joie, à focaliser sur des moments passés de joie. C'est-à-dire, du coup, quand je faisais ça, j'empêchais quoi? J'empêchais que tu penses à ton anxiété. J'empêchais que tu penses à ce qui va pas. J'ai empêché ton mental à penser aux caméras. Tu vois, j'orientais ton mental. L'énergie a commencé à monter. Et ton corps a suivi. Donc après, j'aurais pu t'aider à faire encore plus en disant, ouvre-toi, tiens-toi droite, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, le meilleur moyen de travailler la physiologie, c'est de faire les trois en même temps. Avoir des pensées qui sont constructives. C'est quoi des pensées constructives? C'est avoir des pensées orientées sur le passé, des moments de magie, de victoire, de réussite, de fierté. Des moments présents, des pensées présentes sur qu'est-ce que j'aime dans ma vie, quelles sont les personnes que j'aime dans ma vie. Tu vois, si je pense par exemple à la chance que j'ai d'avoir ma chérie, hop, l'énergie va monter. Si je pense à la chance que j'ai d'avoir Alban, hop, l'énergie va monter. Si je pense à la chance d'avoir cet appartement, hop, l'énergie va monter. Pourtant, j'ai autant de raisons de voir des choses qui vont pas. Mais je regarde mon esprit sur ce qui avance. Maintenant, si je vais chercher dans le futur, qu'est-ce qui m'excite dans le futur? Et pareil, je vais orienter mes pensées pas sur ce que je veux pas, mais sur ce que je veux. Passé, présent, futur. Ça, c'est penser. Maintenant, énergétiquement, si je commence à retrouver l'énergie que j'avais dans les moments de victoire de ma vie, les moments de fou rire de ma vie,
que énergétiquement je imagine mon cœur qui est relié à ma chérie. Ce que je ressens d'avoir ma chérie, ce que je ressens d'avoir les gens que j'aime autour de moi, ce que je ressens d'avoir eu des gens pour m'aider, ce que je ressens d'avoir eu des personnes pour m'inspirer, que je me connecte à la gratitude que j'ai d'avoir eu un Will Smith dans ma vie, même si je ne l'ai pas rencontré, la gratitude que j'ai que Steve Jobs existait, la gratitude que j'ai que Mandela existait, que ces personnes-là existaient, pas bah, l'énergie elle monte. Et si en plus de ça, je commence à faire. Je remplis mon corps, j'ouvre les épaules, je mets un sourire sur mon visage. L'énergie, elle peut que monter. Et là, j'ai pas d'effort à faire. Parce que j'ai mental, énergie, posture. Le truc, c'est que si les personnes qui te suivent sont pas habituées à ça, elles vont devoir s'entraîner. Oui. Tu comprends? Et donc l'épuisement peut venir du fait qu'on travaille peut-être que trop le Que corps. la structure. Ouais, j'ai compris. Ok. Et donc, après, les courbatures, c'est bon signe. Parce que là, les courbatures, c'est que ton corps, il est en train de casser. Tu sais, c'est comme les chirurgiens, ils sont obligés de casser le nez pour te le replacer. Et ben en fait, il faut casser la structure pour ouvrir la structure. Et là, les changements, ils sont extraordinaires parce que tu peux pas te sentir complètement. Tu peux pas avoir des pensées de gratitude comme ça. Tu peux pas. Physiologiquement, tu peux pas. Donc, nous avec Julie, ma chérie, tous les matins, on fait 30 minutes. 30 minutes de ce qu'on vient de faire là. D'accord. Tous les matins, tous les matins, tous les matins, C'est tous une les matins, habitude tous à les matins, prendre. tous les matins. Et par exemple, hier soir, à un moment donné, là, elle a pris l'avion, on était fatigué, enfin, j'étais fatigué. Et je commençais à focaliser plus sur ce qu'il y avait à faire, où on était en retard. Et hop, je m'en suis rendu compte, on a arrêté. Et au repas, j'ai commencé à lister ce qui était top de ma journée. Tu vois? Tout à fait. Et commencer à dire, ok, eh ben, j'ai eu le moment où j'ai accompagné cet ami en coaching et gratitude, j'ai pu l'aider. Quand on était dans l'avion, à un moment donné, je voyais les paysages et je me suis dit, putain, j'ai de la chance d'être sur cette terre. Et de me dire, finalement, à la fois tout ça m'appartient et rien m'appartient. Et donc la vie juste me donne comme un manager la responsabilité de gérer des parties de cette terre. Mais en tant que manager, ça ne m'appartient pas. Comme quand tu manages des gens, ils ne t'appartiennent pas. Bien Tu sûr. es là pour les accompagner, en fait. Puis de me rendre compte que pendant l'avion, j'ai eu un moment de gratitude parce que j'ai téléchargé un nouvel exercice pour mon séminaire là, qui arrive ce week-end. Et de me dire, waouh, c'est génial, je vais pouvoir encore plus aider les gens. Mais c'est mathématique. Après 8 trucs de gratitude dans la journée, je me sentais mieux. C'est sûr. Oui. Donc pourquoi je me sentais mal? Parce que j'étais addict. Parce que il m'arrive encore de maintenir mes pensées sur ce qui va pas au niveau du passé. De maintenir mes pensées sur ce qui va pas dans le présent. Et de maintenir mes pensées sur des illusions de trucs qui iraient pas dans le futur. Qui n'existent pas! Notre futur, il n'existe pas Oui, encore. je vois bien ce que tu veux dire. On est des créateurs de réalité. Tu comprends? Donc, j'ai le choix de choisir ma réalité. Si je commence là, pendant qu'on est en train de faire la vidéo, à m'imaginer des gens qui, sous la vidéo YouTube, nous critiquent, ça va pas m'aider. Tu vois? Donc, c'est à moi de choisir ce que je veux créer comme réalité. Ce que les gens comprennent pas, et c'est la partie que je trouve vraie dans ce lot d'attraction, c'est qu'on crée vraiment notre réalité. Ce à quoi je pense, que j'imagine et comment je me sens détermine ma vie. On détermine notre vie. Tout ce que tu mets après le verbe je suis, tu le deviens. Tu te répètes je suis une merde pendant 20 ans, tu deviens une vraie merde. Tu te répètes je suis extraordinaire pendant 20 ans, tu deviens extraordinaire à tes yeux. À tes yeux, j'insiste. Et le jour où tu deviens extraordinaire à tes yeux, tu deviens extraordinaire aux yeux des autres. Le jour où tu te trouves belle, à tes yeux, on te trouve belle. C'est un paradoxe. Bah écoute, merci, je pense qu'on peut finir là-dessus. Merci pour toute la valeur que tu as partagée, David. J'aurais vraiment tellement voulu apporter encore plus. C'est vrai que. Je ne sais pas si tu en as conscience, mais je pense que même les auditeurs vont être vraiment bluffés par tout ce qu'on a partagé là. J'entends hein, ton désir de. Je sais que tu es d'une grande générosité et que tu aimes beaucoup partager dans tes séminaires. Et j'invite d'ailleurs les auditeurs, donc pour avoir vécu des séminaires en live, tous les exercices qu'on a fait ici, tu les reprends aussi pendant 2 heures, 2 h 30 et tu comptes pas tes heures. Et des fois, tu dis j'enferme les gens dans la salle et vous restez là tant que vous vous sentez pas au top. Ouais, et encore, toi, t'as fait qu'une soirée, c'est ça? J'en ai fait plusieurs. T'as fait plusieurs soirées. Ce qu'on fait sur un séminaire 2 jours, par exemple, ça, clairement, moi, ça me dépasse. C'est incroyable le pouvoir des êtres humains, parce que c'est ça qui est fou. Il suffit de mettre en relation des gens qui ont une même intention d'avancer, et il y a des guérisons qui se passent. Mais mon ego pourrait vouloir dire, c'est moi qui l'ai créé, mais c'est pas moi qui l'ai créé. Moi, j'organise l'événement. Je mets mon cœur dans ce que je fais, je mets mes talents dans ce que je fais. Mais regarde, si on prend le poids, et c'est pour ça que j'ai insisté sur ton grand-père,
Il n'y a rien de plus guérisseur pour quelqu'un qui est en surpoids que de rencontrer quelqu'un qui était en surpoids et qui s'aime. Et paf! Au niveau épigénétique, c'est instantané. Instantané. L'électricité, c'est instantané. La chimie, c'est lent. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il y a deux parties. Il y a le réseau neuronal et il y a le réseau chimique. C'est tout, c'est ce qui est dur dans l'évolution. C'est qu'une prise de conscience, ça se fait comme ça. Là, il y a des gens dans l'interview, il y a des gens qui ont eu une prise de conscience. Ah, j'ai compris. Mais entre le moment où tu as compris et le moment où c'est fluide, fluide, c'est intéressant le mot fluide. Fluide, c'est du liquide. C'est un fluide. Pour que ça devienne fluide, il faut que ton corps il change. Et c'est tout le challenge de l'évolution. Et c'est le challenge des gens qui te suivent. Toi, tu leur fais avoir des prises de conscience. Et d'un coup, elles disent, ah, je réalise que si je suis en surpoids, c'est parce qu'en fait, par exemple, finalement, je voyais des avantages à être en surpoids, typiquement. Je pense à des femmes que j'accompagnais qui étaient en surpoids. Elles voyaient comme avantage d'être en surpoids parce que, en étant en surpoids, ben, on les voyait pas trop. Tout à fait. Ou à l'inverse, on les voyait. Des fois, t'as les opposés, hein. Ou ça leur permettait de se concentrer plus sur leur tête, leur esprit, Et que puis leur parfois corps. d'avoir des raisons d'être malheureux, comme tu disais tout à l'heure. Si j'ai surpoids, c'est pour ça que je suis malheureuse. Oui, Et ça fait quand un elles problème. maigrissent, Par elles exemple, se rendent là, compte que... ça attire du soutien. Aussi, oui, tout à fait. Sur les victimes, c'est pour avoir du soutien. Il y a toujours une intention qui est positive. Donc toi, tu leur fais avoir des prises de conscience. Mais il y a un côté cruel dans une prise de conscience. C'est qu'au moment où elles réalisent, mais en fait, ça veut dire que si je suis en surpoids, je suis responsable. C'est autant génial que désagréable. Et là, tu rentres dans une phase où c'est dur, physiquement. Parce qu'une prise de conscience, tu peux pas revenir en arrière. Tu peux plus redevenir la toi du passé. Physiquement, tu peux redevenir la toi du passé. Parce que tu peux te redroguer à ton alimentation du passé, à tes pensées du passé. Mais intérieurement, c'est fini. Oui. Tes connexions neuronales, tes prises de conscience, c'est fini. Et du coup, ce sera pire qu'avant. Moi, par exemple, si je me mets à manger du McDo, c'est 1000 fois pire que quand je mangeais du McDo avant. Parce qu'avant, je mangeais du McDo en soi. Là, ils font un pataquès sur le McDo. Ça va. Je veux dire, bien sûr, c'est pas la meilleure nourriture, mais ça va. Le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est quand tu sais ce qu'il y a dedans et que tu en manges. Tout à fait. C'est la conscience que tu mets qui fait que c'est dur. Oui. Donc, il y a un prix à payer à monter en conscience. C'est que plus tu montes en conscience, plus ce que tu fais, tu te rends compte de l'impact que ça a. Donc, tu ouvres un champ de conscience et après, c'est le temps de droguer ton corps. Tu vois, c'est exactement pareil que pour les drogues. La personne d'un coup, elle s'est levée un matin, elle s'est dit, mais j'ai pas besoin de coke. Oui. Mais entre le moment où elle s'en rend compte et le corps, l'addiction du corps, c'est ça, c'est tout le travail de transformation. Et qui peut prendre plus ou moins du temps. D'accord. Et accepter que le corps il va vivre des addictions. Mais on est addict à la peur. Moi, par exemple, j'ai grandi en étant addict à la peur. J'étais addict le plus peur et colère. Par rapport à triste. J'étais pas trop triste. Ça, c'est un truc que j'ai transformé plus vite. Mais peur et colère, c'est les émotions où j'étais le plus addict. Donc, un jour, je me suis rendu compte qu'en fait, je trouvais toujours des raisons d'avoir peur. C'est-à-dire, il n'y a rien. J'allais bien. Factuellement, ma vie n'est pas changée. D'un coup, paf, une pensée sur ce qui pour avoir peur. Et le plus beau cadeau, c'est quand tu te rends compte que c'est toi qui fais tout ça tout seul. Ça, c'est dur parce que tu te dis, merde, en fait, c'est moi qui fais ça tout seul. Et de me dire, attends, mais pourquoi je pense à ce qui pourrait mal se passer? Alors que Et tout pourrait bien se passer aussi en tout pourrait plus. bien se passer. Et de revenir dans le présent, comment ça va? Hop, tout va bien. Et de me concentrer sur ce qui va. Et d'avancer jusqu'à ce que mon corps soit addict à la plénitude. J'aimerais que on finisse en partageant l'Inside Project, donc ce que tu vas créer. Justement, tu me parlais tout à l'heure d'une communauté. Yes. Tu vas mettre en relation des gens qui se dépassent, enfin du moins qui ont pris l'engagement d'honorer leur vie. Tu peux m'en dire un peu plus? En fait, tout ce que je crée, je le crée. Je crée ce que moi j'aurais aimé avoir pour moi, en fait. Et moi, mes difficultés dans mon passé, ça a été. J'ai eu du mal à garder la motivation. J'avais beau lire des livres, j'avais du mal à tenir dans la durée. Le nombre de fois où j'ai lu des bouquins, j'ai commencé d'appliquer, et après, je m'en voulais de ne pas arriver à suivre les rituels, je m'en voulais de ne pas appliquer telle chose. Chez moi, là, si tu regardes tous les bouquins, il y en a de partout, il y en a jusque là-bas. J'ai des heures d'audio et je m'en voulais beaucoup. C'était une grosse souffrance. Ma deuxième souffrance, c'est que je me sentais seul.
La troisième souffrance que j'avais, c'était que quand j'écoutais des sources d'inspiration, j'avais l'impression que eux, c'était des héros et moi, pas en fait. La quatrième souffrance que j'avais, c'est que je me faisais un shoot à faire un séminaire 2 jours ou une journée ou une formation en vidéo. Il n'y avait pas de régularité en fait. Et après, l'autre souffrance que j'ai eue à un moment donné, c'était le tarif. Bon, aujourd'hui, je pense que j'ai dû investir, bien sûr, progressivement, plus de 200 000 euros en coaching, en Sur formation, sur toi-même. moi-même, sur moi-même. Ça fait progressivement. Bien sûr, c'est progressivement. C'est-à-dire que déjà, quand j'ai investi les 5 000 euros quand j'avais 20 ans, c'était astronomique pour moi. Et gratitude que je l'ai fait, je pense que ça restera pendant des années le plus beau cadeau que je me suis offert de ma vie de d'oser mettre l'argent que j'avais de côté sur moi-même et puis faire mes jobs d'été pour continuer de me faire des stages. Et donc, Lizette Project, je me suis levé un matin en me disant, mais comment je pourrais créer quelque chose où je suis pas David l'expert, je suis juste un être humain qui grandit avec les autres, je suis pas plus haut, pas plus bas, juste déterminé à avancer. Comment je pourrais créer quelque chose comme les samouraïs où tu as un code d'honneur? C'est vraiment fascinant les samouraïs parce que un samouraï, quand il se lève le matin, il n'a pas besoin de s'écouter 3 heures d'audio pour se sentir bien. Il a juste à savoir un truc. Je suis un samouraï. Pourquoi ça marche autant? C'est que quand il emploie le mot samouraï, tu as toute une philosophie associée à ce mot-là. Et je me suis dit, mais bon, tout le monde n'est pas inspiré par être un samouraï, mais si je crée un mouvement ensemble là, où finalement tu deviennes quelqu'un et tu deviennes un insider. Et ben, au lieu d'être un samouraï, t'es un insider. L'insider, t'as un système de valeurs. T'es quelqu'un qui est dédié à l'évolution. T'es quelqu'un qui est dédié à te dépasser. T'es quelqu'un qui est dédié à incarner le changement que tu veux voir chez les autres. T'es quelqu'un qui a compris qu'en plus tu t'aimes, et plus t'aimes les autres, plus t'aimes les autres, plus tu t'aimes, plus tu t'aimes, plus t'aimes les autres, et que c'est vertueux. T'as compris en tant qu'insider que ton monde extérieur, c'est le reflet de ton monde intérieur. Tu peux rien créer à l'extérieur si tu ne le crées pas à l'intérieur. Tant que tu reconnais pas ta valeur à l'intérieur, on verra pas ta valeur à l'extérieur. Tant que toi, tu ne t'aimes pas, on ne t'aimera pas. Tant que toi, tu ne te vois pas comme une opportunité, on ne te verra pas comme une opportunité. C'est hyper paradoxal. Le leader, c'est celui qui est prêt à y aller seul. La personne avec qui on veut se mettre en couple, paradoxalement, c'est la personne qui aurait le moins besoin de nous pour être heureuse. On n'est pas amoureux de gens qui ont besoin de nous pour être heureux. On est amoureux de gens qui, en fait, sans nous, arriveraient à avancer. Tout à fait. Dès lors que ce truc-là s'arrête, la personne commence à nous lasser. Alors bien sûr, elle a besoin de sentir que l'autre nous aime. Mais si la personne a besoin de nous pour être heureux, elle commence à nous ennuyer. On a besoin de toujours ce truc-là. Et donc je me suis dit, j'ai envie de créer quelque chose dont le prix est accessible à toute l'humanité, en Afrique, en Chine, que toute personne qui a envie puisse le faire. Deux, c'est pas des vidéos pour des vidéos où je suis un coaching, où je suis des formations. C'est avant tout, je fais partie d'un mouvement. Je me lève le matin et je me rappelle, je suis un insider. D'où que je suis un insider, je ne vais pas juste regarder la vidéo et faire autre chose. Je suis frustré de voir le nombre de gens qui lisent des livres et ils les appliquent pas. Ils apprennent des concepts, ils les appliquent pas. Et moi, je me suis dit, je veux créer quelque chose où finalement, tu te lèves le matin, t'es un insider, donc tu vas prendre soin de ta femme. T'es un insider, donc tu vas prendre soin de tes enfants. Ou de ton mari. Ou autour de toi. Et donc, en fait, pour être plus spécifique, c'est aujourd'hui, ce que ça fait qu'évoluer. C'est un abonnement par mois. Les personnes payent non pas 200 euros ou 1 000 euros comme je pourrais le faire en termes de valeur que j'apporte dedans, mais elles payent 19 euros par D'accord. mois. 19 euros par mois. Et on grandit ensemble. En fait, tous les mois, elles ont 4 vidéos. 4 vidéos où je leur partage ce que je vis, un challenge, une réussite, un progrès. Et j'avance. Tous les mois, on vit un défi. C'est un nouveau défi. Par exemple, là, on vient de finir, donc vu qu'on est le premier, on vient de finir un mois de douche froide. Donc, tous les insiders, ils ont fait douche froide. Et l'idée, c'est encore une fois, pas de se placer en posture haute, en mode, je suis un expert, voilà ce que vous allez faire. Je suis le premier à faire le défi que je lance. Pourquoi? Parce que l'objectif, c'est qu'à la fin du mois, on fait un sondage et on regarde ensemble, concrètement, est-ce que ça vous a aidé? Parce que j'étais tellement frustré à force d'interviewer des gens, d'entendre un qui te dit il faut manger sans gluten, l'autre qui te dit non, tu peux manger du gluten, l'autre qui dit il faut que tu manges du lait, l'autre qui te dit c'est ok pour le lait parce que voilà, t'entends tous les opposés. Et je me suis dit, mais au lieu de croire, pourquoi pas tester? Et au lieu de tester tout seul, pourquoi pas tester ensemble? Donc l'Inside Project, c'est ça, on avance ensemble.
Les gens, ils adorent pourquoi? Parce qu'ils ont les coulisses de ma réussite, ils grandissent avec moi. Moi, je partage ce qui me vient, ce qu'il y a. Et ce qui est top, c'est qu'il y a des fois, je suis en retard. Là, par exemple, je suis en retard, mes vidéos, je les ai même pas fournies. Mais les gens, ils sont heureux parce que rien que de se lever en se disant je suis un insider, ça change tout en fait. Ça me change moi d'ailleurs. J'ai jamais été aussi régulier que depuis que j'ai lancé Inside Project parce que je sais que j'ai un rôle à jouer pour tous les insiders. Je suis là pour montrer l'exemple. Si je le fais pas, ils le feront pas. Et là, ce qui se passe, c'est que c'est pas descendant. C'est que je demande aux insiders d'inspirer les autres insiders pour qu'il y ait ce mouvement qui s'installe. Donc voilà, c'est. Je suis hyper heureux parce que j'ai trouvé un moyen que les gens grandissent vraiment avec moi. Quand les gens suivent une formation que j'ai tournée il y a 2 ans, ils suivent l'ancien David, ils suivent pas le David de maintenant. Et donc, je sais pas ce qui se passe exactement dans ce truc-là. Ce que je sais, c'est que rien que les gens, quand elles se rendent compte qu'elles sont dedans, il y a. Voilà, c'est une philosophie, code d'honneur. C'est une communauté autour du dépassement de soi et de l'évolution. Bah merci pour ce partage-là, David. On pourra partager le lien en dessous de la vidéo également. Yes. Très bien. Alors, juste de savoir que les personnes vont laisser leur mail, les inscriptions se font à des moments très spécifiques, parce que vu que je préfère limiter les inscriptions, généralement on envoie un mail en disant voilà, vous avez 48 heures pour vous inscrire, et après 48 heures c'est fermé. Ça permet de prendre que les plus motivés. Parce que j'ai compris un truc, c'est que les plus motivés inspirent les nouveaux. Et c'est hyper vertueux en fait. Soyez sur le qui-vive. Donc, bah, Voilà. je vous embrasse pour cette vidéo. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la. Et puis David, bah, je partagerai également dans l'article tes prochains événements, tes conférences, tes séminaires. Avec Merci plaisir. encore une fois pour tout ce que tu as partagé donc, aux auditeurs. Et puis on vous retrouve très bientôt pour de prochains sujets. Bye bye! Ah, salut à vous.